Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 44e, pas 4e, oh là, c'est le mec qui repart en arrière. 44e épisode sur The Last of Us Part 2, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Je sais pas où je dois me rendre. Peut-être ici, remarque. Non. J'ai vu un truc briller derrière, mais je sais pas où aller. Ils m'ont fermé la porte. J'espère que c'était la bonne issue. Parce que en soi là, je me sens un petit peu bloqué. Je pense pas qu'on puisse tirer sur le cadenas en particulier. Là on n'a rien. Là non plus. Eh bah écoutez, à part ici. On y va. Attendez, où est Abby? Une morsure. Reculez. Hé, pointe pas ton arme sur moi. Hé, Abby a tenté de fuir. Ils l'ont mise aux colonnes. Les colonnes? Va à la plage. Tu la trouveras. Elle est sûrement déjà morte. Allez! Ok, putain c'est vraiment stylé. Par contre maintenant on est tellement mal en point. Et genre ils sont tellement nombreux. Que ce soit les mecs qui étaient enfermés ou les crotales. C'est magnifique ça. Et vous savez, je me suis fait une réflexion. Juste au cas où si elle parle à nouveau. Comme ça on rate rien du tout. Je me suis fait la réflexion. S'ils ont mis un trophée exprès pour trouver un anneau. Enfin je vous en dis pas plus. Mais j'ai l'impression que c'est entre guillemets un easter egg annonce teaser peut-être du prochain jeu de Naughty Dog qui pourrait être un Uncharted 5. Alors pas forcément avec Nathan, peut-être avec son frère. Ouais, ça serait cool. Avec son frère et Sullivan. Franchement les deux personnages les plus cools du jeu. Ce serait vraiment sympa. Bon alors là on va se prendre on va se prendre Taro j'imagine. Ah non d'accord, c'est encore à moi d'avancer. Ils me font des feintes à chaque fois. Vu qu'on a passé plusieurs phases où. Ok, je peux me baisser. Ça c'est cool, on a libéré l'opprimé hein. Quelque part, on s'est un petit peu lavé de nos péchés, si on peut dire. Là, on n'est pas bien du tout. Hein. Là, Ellie, qu'est-ce que c'est que ce carré là? Qu'est-ce que c'est que ce carré sans texture? Ah non, j'ai eu peur. On est aussi mal que Joël dans la partie hivernale du premier jeu. Et ça me fait très très mal de la voir comme ça. Bon après elle est en mode Terminator mais elle est pas bien. Je suis pas bien. Je pense qu'on peut pas forcément courir. Ah, on peut trottiner mais allez, tiens bon Ellie. Je sais pas ce que tu vas faire contre Abby parce que ça c'est toujours une machine de guerre aux dernières nouvelles. Pitié.
Abby. Des bateaux par là. Oh what? Et vous savez que j'ai même pas reconnu Lev, hein. La vache. Ils ont dû cramer au soleil, mais ça c'est les vieilles punitions religieuses là. La vache. Pour le coup, c'est... Je m'y attendais pas. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Est-ce qu'Abby va être notre ami? Je le dis avec très peu de conviction, mais le jeu peut me surprendre à tout moment. Allez, Ellie, dépêche-toi un petit peu, là. S'il y a des bateaux, on peut retourner vite fait. Bon, je l'emmènerai jamais à la ferme, je pense, mais... Au moins à Jackson. En fait, je sais pas si je peux faire confiance à Abby, hein. Elle nous a épargné, là on l'a sauvé. On va vraiment faire chambre à part. Non, Ellie. Ellie, fais pas ça. Je peux pas te laisser partir. J'en ai assez. Ok, c'est à moi de jouer. Pour une fois, on est du côté d'Ellie. Même si je suis pas du tout d'accord avec elle cette fois-ci. Ok. Est-ce que je peux esquiver? Tiens, mange tes morts. Vas-y, encore. Ah, bien joué. Mais c'est bizarre, Abby. Elle est plus musclée. C'est très perturbant, je la reconnais plus. Ah ouais, à chaque fois, je me fais avoir. Ok, ça doit être un coup après l'autre. Non mais là je peux plus esquiver. Ah
Vas-y. Vas-y, avance là. Que je te fume un peu. Vas-y. Bon, en termes de gameplay, ça tourne pas trop, hein. C'est du martelage de carré. Non mais regardez, on la reconnaît pas. Ah, j'ai pas envie de faire ça. Ok, cette fois-ci on a plus le couteau. Là il va falloir bien esquiver. Oh bah non. Ah mais ça je l'ai pas vu venir. Vas-y. Tiens, regarde ça. Ça te plaît, ça? Oh la vache. Oh, tu m'as eu là sur ce coup-là. Et on met toute notre force, hein. Eh ben, de retour. Pendant que je regardais là cette cinématique. Attends, on va voir un petit peu Ellie. Putain, tourne dans l'autre sens. Je réfléchissais et je me disais, mais comment ce jeu n'a pas plu aux gens? Je veux dire, ok, j'ai adoré le premier moi aussi. Ok, le premier a des meilleurs. Il a des phases vraiment marquantes. Moi, je repense tout le temps à la scène quand on va chercher Ellie près de Jackson avec Tommy à nos côtés. C'est une des scènes qui m'a le plus bouleversé. Et ensuite, dans la partie 2, il y a justement le massacre de Joël.
Et il y a des scènes comme ça là, comme celle qu'on vient de voir avec Abby. C'est des scènes tellement plus grandes, plus puissantes et plus profondes que ce qu'on a pu voir dans la première partie. C'est en fait c'est plus et mieux. C'est pas trop. J'étais sûr que au bout d'un moment elle allait avoir un flashback de Joël. Mais ça avait l'air d'être un flashback positif pour le coup, puisque elle a dû se voir en Lev et Abby. Elle a dû reconnaître que Abby avait un petit côté protecteur envers Lev. Et ça lui a rappelé bah Joël. J'ai envie de dire son père, mais oh, regardez-moi ça. Son père adoptif. Et il faut voir le côté poétique. Il faut pas se dire non les gars, c'est pas bien, elle a voulu se venger et au final elle le fait pas. Je préfère que qu'elle ait cette part de clémence en elle encore. Je veux dire, elle aura sauvé la vie. Elle lui a bien cassé la gueule, ça, on pourra pas se le cacher, mais ça confirme pour moi en tout cas que Ellie est sûrement et sans aucun doute l'un des meilleurs personnages et l'une des meilleures héroïnes de ces 10 dernières années. Hein. Que ce soit que pour les exclusivités Sony ou pour le monde du jeu vidéo en général. Pardon, j'ai oublié de rallumer mon micro. Mauvais réflexe. Écoutez, fallait s'y attendre, hein. Mais je vous avais prévenu. Si on partait, on perdait notre famille. Il n'y avait pas d'autre issue possible. Putain, t'imagines la vie qu'on aurait pu avoir ici. On aurait pu être heureux et heureuse. Pour le coup, elle aurait pu être heureuse. Et le petit JJ, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que JJ sera là dans une partie 3? Tiens, on a quelque chose ici. Est-ce que vous accepteriez de m'accompagner pour cette dernière balade? Ça me fait bizarre parce que je sens que là on est proche de la fin. On va pas s'attarder plus que ça, on va continuer mais pardon pour le coup dans le micro évidemment. C'est très émouvant. Oh regardez, elle bouge les doigts en même temps. C'est très émouvant de se dire que alors on y est. Bon, je vous en fais pas plus, on y va. Et au passage, c'est parce qu'elle a deux doigts en moins que ça sonne faux.
Tu bois quoi? Du café. T'en as trouvé où? Les gens qui sont passés la semaine dernière. J'ai un peu honte de ce que j'ai dû donner en échange, mais... c'est pas mauvais. Je maîtrisais avec Seth. Ouais, je sais. Et il faut que t'arrêtes de saouler Jessie avec mes patrouilles. Ensemble. Non. Non, c'était juste un baiser. Ça veut rien dire, elle voulait juste... je sais pas ce qu'elle voulait. Mais elle te plaît. Écoute, je sais pas ce que cette fille attend de toi, mais... tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle aurait de la chance de t'avoir. Putain, t'es vraiment un enfoiré. Je suis pas en train d'essayer... J'aurais dû mourir dans cet hôpital. Ma vie aurait enfin eu un sens. Mais t'as tout foutu en l'air. Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis, je le referais sans hésitation. N'empêche, je crois que je pourrais jamais te le pardonner. Mais j'aimerais bien essayer. Ça serait bien.
Oh la vache! Eh bien, on y est. Ouais, j'ai encore du mal à m'en remettre, j'étais dans le même état que Joël pendant cette thématique. Là j'ai des frissons là pour le coup, je... Incroyable. J'ai... je sais pas encore quoi vous dire, je sais pas comment vous le dire, mais je pense même que je vais te tutoyer pour cette fin de vidéo si t'es là jusqu'au bout. Ah Naughty Dog, vous êtes une belle bande d'enfoirés, mais dans le bon sens du terme, hein. Qu'est-ce que je vous kiffe. C'est, je me revois en fait après mon épisode 3. J'étais vraiment là en mode non mais qu'est-ce que vous avez fait à mon jeu là? Qu'est-ce que vous avez fait à Joël, à Ellie? Qu'est-ce que vous avez fait à mon univers favori? Et j'étais en mode les gars, je vais sortir une vidéo à la fin de ce jeu. Elle sera, ce sera la plus salée de tout YouTube. Et tu sais, j'avais écrit un texte, j'étais en mode ouais, Druckmann, est-ce un génie de l'écriture ou juste un sadique, décérébré, enfin... J'étais vraiment parti dans un truc, merci Hayley Gross. J'étais vraiment parti dans un truc où j'étais blessé au fond de moi et j'avais besoin d'écrire ce texte. Et pour vous dire, j'avais dû me coucher, m'endormir vers 2h du mat, j'étais hyper énervé et j'avais juste tapé quelques textes sur mon portable, dans les notes. Et j'étais en mode, ouais, là je vais sortir toute ma haine. Et c'est tellement détonnant avec ce que je ressens à cette fin là, à ce moment précis. J'espère que toi aussi tu ressens pareil. Après je sais que c'est jamais la même chose quand on a la manette ou quand on regarde quelqu'un jouer. J'espère avoir été le plus authentique possible dans ma façon d'aborder l'œuvre, sans pour autant t'avoir trop influencé, sans pour autant t'avoir dit ce qu'il fallait penser. Je pense pas l'avoir fait, j'espère avoir été le plus authentique, le plus sincère. Parce que c'est ce que cette œuvre est avec nous. Elle est sincère, elle nous prend par les tripes et je suis content de l'avoir vécu. Je pense que je prendrais un malin plaisir à revenir dans quelques années sur YouTube si mes vidéos sont encore là, si YouTube est encore là, si nous on est encore là, tu vois. Si on a cette chance de connaître le monde dans quelques années. Je pense que je me ferais un bon gros plaisir à redécouvrir cette aventure. Bah pour le coup à mes côtés ça me fera bizarre mais... Ah oui, en plus ils nous mettent les notes là. Ok, je pense pas que je vais faire durer la vidéo non plus très très longtemps. J'aimerais voir s'il y a quelque chose après ce générique. Et au pire, je vous couperai vraiment si c'est trop long. Ah, Gustavo! Gustavo, mon frère, tu... T'as su me saisir, là. Là, tu m'as accueilli à la racine, pour le coup. Mais quelle fin! Tu vois, j'aurais aimé un... Après le fait que Joël lui dise je l'aurais refait sans hésitation, j'aurais aimé un petit parce que je t'aime, un petit parce que tu comptes pour moi. Mais en vrai, on le sait, on sait qu'il le pense, on sait que Ellie en a conscience. Et qu'il n'y a pas forcément besoin de mots pour que les deux se comprennent. Vous avez vu que même elle aimerait pouvoir lui pardonner. Le lien qui unit ces deux personnages, c'est quelque chose d'assez incroyable qu'on n'imaginait pas pouvoir retrouver dans une fiction, encore moins dans un jeu vidéo. C'est vrai que la plupart du temps, pas pour tous les jeux, mais il y en a certaines histoires qui sont vraiment... ça gratte même pas la surface de The Last of Us Partie 2, quoi.
au niveau de la profondeur de l'histoire. Et pour le coup, je pense qu'il faut avoir fait le premier jeu, le DLC Left Behind, et celui-ci, pour vraiment tout saisir. J'ai hâte de me refaire le jeu au complet aussi, de mon côté, dans ma petite bulle, dans mon petit truc, où tu vois, j'aurais pas besoin de parler constamment, ou que j'aurais pas besoin de dire ce que je ressens, j'aurais moins honte, je pense. Parce que là, je suis encore très pudique. Et heureusement que j'ai pas de caméra braquée sur moi, parce que je pense que je l'aurais coupé tout simplement. C'est fou, je me sens vide d'un coup. Je me sens seul, mais je sais que t'es encore là jusqu'à la fin. Mais je nous sens seuls. Limite orphelin, quoi. Enfin, je sais qu'on est, des millions de joueurs à être passés par là. Je revoyais encore hier une story d'une amie qui avait mis le combat Abby Ellie sur sa story Instagram, et j'étais en mode « Mais non, mais fais pas ça, moi j'ai pas fini !» Et j'étais limite en train de l'incendier, et je m'en excuse d'ailleurs si tu regardes cette vidéo. Mais vous savez tout ce que ce jeu représente pour moi, vous savez ce qu'il représente pour nous au final. Et j'étais vraiment dégoûté à l'idée de pouvoir me faire divulgâcher la fin. Et ça va, c'est bon, je me suis pas fait surprendre. Et ouais. Quel jeu, quelle aventure, j'ai toute une playlist pour vous dire, pour m'ouvrir à vous un petit peu, pour m'ouvrir à toi. J'ai toute une playlist sur YouTube que j'ai appelée After, et que je me refusais de visionner avant d'avoir fini le jeu. Ouais, merci à Naughty Dog. merci aux familles de Naughty Dog qui ont été très conciliantes pendant ces périodes de crunch. Ouais. Ça sonne comme un adieu, hein, bizarrement. Merci Ashley Johnson, Troy Baker, bien évidemment. Maintenant, je peux plus entendre ces comédiens doubleurs sans penser à leur personnage. Et même quand j'entends la voix de Ellie en français, j'allais vous faire la remarque, mais elle a totalement une intonation différente quand elle parle avec Joël et quand elle parle avec d'autres, que ce soit Dina, Tommy ou Jesse ou Maria. Elle retrouve qui elle est au profond d'elle quand elle s'adresse à Joël. Et j'ai tout de suite ressenti ce petit truc là, je me suis dit, l'actrice a tellement fait un taf incroyable. C'est super. C'est un chef-d'œuvre. Je vais pas peser mes mots là-dessus. C'est un chef-d'œuvre. Et je suis peut-être biaisé parce que ça s'est passé à Seattle, parce qu'il y a Ellie, Joël, Lev, et même Abby. Au final, j'ai appris au fil du jeu à l'apprécier. Je lui pardonne toujours pas et je lui pardonnerai jamais. Mais tout comme je pardonnerai pas à Joël d'avoir provoqué tout ça, entre guillemets. Mais voilà, j'ai l'impression que ces personnages, je vais plus les voir, tu vois. J'ai commencé le jeu, pour te dire, j'ai dû commencer le 19 ou le 20 juin, donc directement à la sortie. Quand j'étais allé chercher au Hyperup à loin de chez moi, j'étais comme un fou, tu sais, j'étais dans le bus, je l'avais dans mon sac, et je le gardais secret dans mon sac pour pas le révéler au monde, pour pas me le faire voler, je sais pas, j'étais en mode c'est mon précieux. Et du coup là on est le combien ? Le 3 août, donc ça va faire ouais un mois et demi, pas exactement, mais un mois et quelques jours que je vis avec ce jeu. Au quotidien, c'est comme le premier avait marqué mes vacances d'été il y a quelques années, bah 2014-2013, je sais plus exactement, je suis un peu en vrac, et celui-ci aura marqué mon été 2020. C'est une année très particulière, j'avais jamais connu ça, et personne n'était préparé à ce qui se passe dans le monde.
Et je pense qu'il me fallait au moins cette partie 2 pour comment dire, résister, tenir le choc pendant ces périodes-là, qui sont des périodes de doute dans ma vie personnelle, et c'est très 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 bien qu'ils aient fini par le sortir. Après l'avoir repoussé à tant de reprises, je m'étais dit peut-être, tu vois, peut-être que arrivé à mes 40 ans, on aura enfin la partie 2. Et là, c'est bon, on y est. J'ai eu 21 ans il y a 2 jours, donc c'est un beau cadeau que de le finir à tes côtés. Voilà, c'est un privilège. Je suis très heureux. Je sais pas si je peux passer, si j'appuie sur une touche. Je peux pas passer ça, en tout cas. Ah si, on peut passer. Revenir au menu principal. Ce sera peut-être la seconde fois seulement que vous verrez le menu. Dans mon let's play en tout cas. Waouh. Nouvelle partie débloquée. Jouer au jeu à nouveau avec tous les équipements et améliorations obtenus lors de la partie précédente. Les améliorations et voilà, recettes de confection seront disponibles dès le début du jeu. Les armes seront disponibles lorsque Ellie arrivera à Seattle. Waouh! Voilà ce qui s'est passé. Trophée obtenu! C'est un trophée d'or. Et c'est magnifique. Je pense qu'on va s'arrêter ici parce que les 20 dernières minutes, je pense que c'est que moi qui suis en train de déblatérer mon truc. Donc j'espère que ce... Attendez. Voilà, il fallait que je me refasse une petite voix. J'espère que ce let's play vous aura plu. Ça me fait bizarre de le dire. On est à l'épisode 44. Ce sera le dernier de notre aventure. Il n'y aura pas de DLC. Peut-être que un jour on se fera le mode multijoueur. Je sais pas s'il y en aura un. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié être à mes côtés pendant... Ouais, ça fait long, hein. Ça fait long, mine de rien. Ça fait quoi? On est peut-être à 27 heures. Peut-être 26, 27, 28. Voilà, vraiment. Parce que j'ai pas sauvegardé dans les dernières minutes. Et même s'il y a une sauvegarde automatique, n'essaye pas de me piéger. Bon, j'aimerais que ça s'arrête jamais cette vidéo. Mais moi, je vous dis à très très vite pour un prochain let's play. J'espère qu'il vous plaira tout autant. Et je vous remercie d'avoir été là. À très très vite, c'est promis. Ciao.